Ça, j'ai dit, c'est vous-même qui venez avec challenge là. Qui ça pour soi une idée comme ça? Bon, on dit que ça, c'est deuxième lancement du projet. Hein? Parce que normalement, tu as un volume 1 qui t'est sorti l'année dernière. Projet, ça a pris naissance à partir d'un constat que nous-mêmes, dans l'AMIO, nous arrivons à faire. Et ce qui constat que lié, nous estimons que pas bon ici, d'autrement, une mauvaise appropriation de la musique rap ou tout simplement de la culture hip-hop, et d'autre plus, tout bon étiquette négative, souvent, qu'il y a attribué avec musique rap là, mais que l'île est une sorte de compétition. Ça, il y a une strict language là, il y a beef. C'est comme si, et nous avons l'impression à chaque fois qu'on parlait de beef dans le rap, c'est une mauvaise chose. Eh bien, nous te dit nous-mêmes que, comme rap sont musique de compétition que lié, si il y a de rap, si il y a de MC qui a autoproclamé, qui a bâti tout. On dit qu'il y a peut-être tout qualificatif que possible, eh bien, il faut que nous-mêmes nous créions une possibilité à ce que nous venions prouver réellement. Vous est-ce que nous avons peut-être assez ça? Comme si, en gros, c'est à partir de constat ça que le projet arrive à prendre naissance. C'est-à-dire, et rap son musique de compétition, so if you got talent, just show me what you got. So, show your talent. Du technique. Yeah, à l'aise, show your talent. Vous connaissez mon rubrique comme ça? Vous connaissez mon rubrique comme ça, Arbenz? Ah bon? Et t'es resté? Ah ouais. Let's go. Yeah, ça veut dire, on dit que l'idée a parti comme ça, et puis deuxième bagage qui t'est nourri l'idée à tout, c'est parce que nous estimons que rap, depuis quelques temps, t'es dit dans l'essence en Haïti. Parce que il faut retourner à la place au genre musical que lié, son musique qui est structurée, qui est base, qui est squelette. Donc, nous estimons que squelette rap là, il était censé d'ailleurs depuis quelques temps par bon site. Eh bien, nous avons fait appel avec un gros producteur qui était Debbie Steele. Et puis, Debbie lui-même, il est accouché en instrumental qui aurait l'air dans le langage hip-hop boom bap. Le boom bap là, c'est du genre à l'ancienne. Un rappeur qui a boom bap là, il a intérêt pour lui capable de faire des choses, skills, knowledge, aptitude, performance, delivery, etc. Donc c'est l'idée ça qui mène avec le projet. Donc l'année dernière, nous avons 11 MC, même j'ai avec Anissa. Bon, malheureusement, l'année dernière, c'est 10 MC qui te respectent dans le sous-bit là. Il y a un qui te désisté et Anissa encore. Il y a une qui désistait. Donc, c'est un projet à ça. Donc, l'idée pour faire projet ça, c'est quand même pour motiver qu'on on sorte de dynamisme dans le mouvement rap créole. Justement. Parce que le rap, avant tout, c'est une musique. Donc, l'autre bagaille, l'autre particularité que rap de la caille, tout, c'est que rap, c'est une musique de compétition. Histoire de bif dans le rap ou bien histoire de challenge dans le rap, ça a été toujours. Oui, bien sûr. Tout ça en Haïti, chaque. On a comparé le polémique. Oui. Mais l'avancement de la musique haïtienne, du compas en particulier, ou pas qu'à ouais, compas sans polémique. C'est polémique qui a peut-être qui fait compas fait tout le temps ça. M'a dit ça et m'a un pile argument qui a avancé ça. En avancé. Voilà, parce que ça pour nous connaître, parce que quand l'Alem dit le rap avant tout, c'est une musique, pas oublier, l'on garde la musique, il faut garder le double aspect. Il faut garder la musique là, comme étant art, c'est-à-dire et de la création, mais il faut garder la musique là tout, l'aspect commercial, là, côté entertainment, côté showbiz. Là. Et côté entertainment, maintenant, on va toujours déverser quelque part dans la compétition, dans la challenge. Bien sûr. Donc en Haïti, on va parler de bif dans le rap, nous toujours est bah, négatif seulement. Alors que ce n'est pas ça lié du tout. Vous comprenez? Donc, et nous avons fait appel avec plusieurs MC années, même j'ai avec l'année dernière. Et nous avons fait toute choisir pour être présent, pour participer à notre challenge là et pour être capable d'arriver à accoucher. Projet nous ouais qui vient accoucher là. Est-ce que je dis ou dénombrer je dirais quantité de monde qui participe dans le projet ça? En dernier même son ouais qui fait là peut-être que ça n'y a pas autant
après dernière, il était presque même genre. Parce que qui s'est passé? Depuis des compétitions, la première, challenge même. Donc, année dernière, là, nous avons fait une preuve. 11e SIA, nos versions que nous avons fait, nous les versions after. Pas oublier que notre projet pareil, on ne peut pas satisfaire tout le monde et on ne peut pas faire appel avec tout le rappeur. Parce que bien après, nous, nous avons là, malheureusement, qui pas là. Et bien après, tout le monde qui t'aime là, malheureusement, qui pas là. Et puis ça nous fait, nous-mêmes, nous créons l'autre version que nous avons version after. C'est-à-dire le 11e qui a fini de sortir, et puis nous mettons l'autre catégorie de MC pour capable de continuer ce buzz sous beat là. Et bien, année ça nous fait même bagarre là. Année ça, pour le projet initial là, nous avons des fantômes, nous avons des styles malheureusement qui désistaient. Nous avons Max Flow, nous avons Toby, nous avons Burning, nous avons Marshall, nous avons TF Barouan, nous avons Joué assez fort, Will Vac, dans le projet initial là, nous avons Samy Secret dans le projet initial là, et nous avons PJ dans le projet initial là, et puis rapidement, bon, bah, on va aller sur PJ là, parce que souvent, on va poser une question ça, il faut dire que PJ là, là c'est bâti dans le projet là. Parce que normalement, c'est bâti tout est sur le projet là. Pour nous dire ça pour mon yo, pour mon peut-être de fanatique Baki qui a demandé pour dire Baki dans ce projet, ou bien est-ce que nous allons faire appel à la Baki? Oui, Baki était sous projet à la base, mais Baki était venu dire nous que la gérer le dossier album, ça qui était empêché de disponibilité pour être capable d'enregistrer. Et puis à la dernière minute, nous faisons appel à budget et puis boum. Donc, en gros, hop, et puis nous avons oublié que Tikao qui était sous projet à tout. C'est 11e si ça. Et puis. Qui ça c'est choisi? Bon, choix, mais sous qui ça yo parti. Parce que tout le monde pose des questions ça. Première condition qui doit réunir pour un monde, on a un projet à son rappel. Parce que son projet rappel, avec qui dit de vous rappel, on peut participer à son projet. Mais deuxièmement, tout, oublier ce que j'aime t'a dit tout à l'heure. Nous voulons retourner à la base, nous voulons retourner dans la musique, dans l'essence. Et depuis la peur, nous avons pris condition ça. Ça veut dire que la peur est capable de chiter, bien sûr, boom, pap. La peur, ils sont rappeurs qui sont capables de show skills, qui sont capables de show knowledge, qui sont capables, comme si des rhymes, tout ça. Donc nous faisons appel à elle et puis nous sommes capables de mettre les choses sous bouger. Donc c'est un simple critère que nous prédéfinis pour nous capables d'inviter le monde à venir sur le projet. Et le monde qui intègre un projet, qui est dans le projet initial là, ou accueille ou bien ou juste en dehors? Ouais. J'aime d'abzou là, l'année dernière, il était même genre. Nous te faisons une version after, mais l'année dernière, version nous te fait after, c'était avec rappeur au cap seulement. Année ça nous fait tout. Nous faisons, nous nous sommes sous projet, nous sous version after. Mais nous tout qui fait, qui pas sous projet, c'est Jeff Feeling. Donc nous sommes sous version after, c'est 6MC. Nous sous version after, c'est Méchanceté, c'est Bob Caillou, c'est KLFS, c'est Guayonex, c'est on rappelle qui est Maoué, et puis c'est MAG. Donc c'est 6 rappeurs qui projet after. Donc, est-ce que ça qu'il faut pas te mettre sous projet avant, il n'est pas compétitif ou bien pour que ça? Et c'est pas ça. Donc, j'aime d'abord tout à l'heure. De toute façon, tout le monde n'est pas capable, j'aime capable là. Ça, c'est un. Et deuxièmement, dans le moment que nous avons fait choix, ça va arriver des gens qui ne sont pas passés dans la tête nous. Passer deux. Et troisièmement, tout le monde, parce que il y a des fanatiques qui ont demandé pour qu'ils aient tel balan, pour qu'ils aient tel balan, mais il y a tout le monde qui a été invité, qui a choisi par l'entrée dans le projet. Par exemple, Méchanceté, qui est dans le projet after, mais Méchanceté était une invitation déjà pour le projet initial là. Mais par contre, Méchanceté dit nous qu'elle était quelque part personnel de l'objet, qui était empêché. Et dans le projet initial là. Et puis, il fait vidéo avant, hein? Ben oui, parce que même si ça dit me passer. Depuis le projet, si nous sortons comme ça, rappelons que nous libre pour nous capables de même faire vidéo ou pas. Donc, Méchanceté lui-même, il se charge de faire vidéo. Ok.
OK, on a finalité à c'est qui ça? C'est créer un dynamisme autour du mouvement ou bien gon prix, gon récompense, gon qualification là bas après. Mais qui sa finalité a dit, en fait, c'est d'abord repenser la musique haïtienne, la musique en Haïti, tout simplement. Parce que, qui ça, nous-mêmes, dans la musique, nous vient comme souci. Souci, premier, non, c'est que, nous dit que nous n'est pas possible, en 2021, nous avons fait musique, je nous avons fait là. N'est pas possible, en 2021, pour nous gagner des musiciens qui vivent au plus haut niveau de l'État, pour nous gagner des musiciens qui vivent sénateurs, députés, ministres, etc., mais c'est là toujours été à part un pauvre, à ces premiers soucis que nous gagnons. Et deuxième bagaille que nous gagnons, tout c'est le rap en Haïti. Parce que rap comme musique, jusqu'à présent, on doit traiter à part un pauvre, pendant que. Et bon parti de la jeunesse là, toujours diversifié dans la musique ça. Et, on parle de la vérité là, musique sauve l'avion, paquet de jeunes femmes et de jeunes garçons. Je vous dis aujourd'hui, si c'est pas musique, vous avez des superstars, nous avons un rap, mais nous pas de gagner. C'est rap qui est allé, c'est rap pour la gueule, et puis je vous dis aujourd'hui, vous avancez dans la chimère, vous jouez en réussite, vous jouez une ascension sociale. Donc, il y a quelqu'un qui écrit qui dit regardez, ils ont fait challenge tout. Mais hey, imaginez que monsieur qui a rap, et puis un bon lait qui est jeune entraînement, et puis un bon lait qui est jeune en groupe, mon dit bien qui va être de ma pousse au rap ou bien la essayer comment on est capable accompagné avec talent ou rien, mais tout le monde ne doit pas prendre des petits bras là. Donc, en gros, c'est pour capable sauver quelques jeunes femmes et jeunes garçons. Je ne veux pas vivre dans la promiscuité. Je ne veux pas vivre dans le besoin. Et je ne veux pas qu'il y ait besoin de musique comme reconfort. Donc c'est ça qui dit. Donc c'est pas ça qu'on gagne en vrai. Parce que tout le monde qui passe sur le projet, c'est de gagner que oui. Donc tout le monde qui passe sur le projet, c'est de vrai MC que oui. Mais hey, nous besoin tout. Faire un event, nous besoin d'organiser un award show. Parce que l'artiste, il y a dégagé énergie, il y a fait un travail intéressant. L'homme de producteur qui vient à coucher un petit pareil, au moins il va avoir une récompense. Tout. Parce que là, nous obligé à penser sur un event pour capable récompenser tout le monde qui participe au projet et pour nous capable tout arriver et mettre plate avec les monde. Ah belle, ça c'est une belle initiative, même si je connais la situation là-bas. Mais Guiri, bon, font attention. Est-ce que c'est pour premier monde qui t'est participé, ou premier artiste qui t'est participé, ou soit c'est tout artiste en général qui participe à ce projet? Après de bien, non, ils ont mis qu'à parler. Est-ce que c'est ça, j'ai ce qu'à parler. Est-ce que c'est pour tout le monde qui participe à ce projet là, ou bien c'est pour le monde qui est sur le projet initial là? Initial là. Ok, c'est pour tout. Bon, normalement, nous ne pouvons pas réunir tout le monde qui participe sur le projet. Ok. L'homme dit tout le monde, là, on va parler de monde qui joue un là, qui fait projet par ou après. On va parler plutôt de monde qui a un projet initial là. L'homme dit projet initial là, c'est-à-dire 11 MC plus projet after. Parce que after, c'est projet. C'est nous-mêmes qui choisissons de réaliser le tout. C'est pas là que pourquoi on qui réalise, c'est nous-mêmes qui réalisons. So, et c'est ça qui va être la vie. On veut nous sommes capables de récompenser et nous besoin tout de ton bagage sous pied afin que les artistes là aient pris dans le studio, et les artistes là ont travaillé la fin pour qu'on ait un moins de deux mondes qui ont pensé et qui ont réfléchi, ils ont joué pour capable de remettre en pluie. Même là, ce n'est pas des millions de dollars, mais par contre, ton bagage a privé sa fiction et a privé sa fierté quand même. Donc, je pense que nous avons vraiment besoin de ça dans la musique en Haïti. Nous avons vraiment besoin d'organiser, nous avons vraiment besoin de structurer. Nous. Parce que j'aimerais me dire souvent, je vous le dis en 2021, nous mettons un artiste ici à mener
ou mettre des artistes superstar, ou mettre celle collaborer à qu'importe superstar qui vient dans le monde là, il pas une nantin, il a seulement été ici, dans la communauté haïtienne, qui l'a de gloire ou du moins pas Haïti. Donc, bon problème. Je ne veux pas mettre un artiste collaborer avec Drake, qui c'est artiste des seniors. Il n'y a pas fait grand chose. La preuve est bien grande, mais il y a plusieurs artistes qui collaborent avec des superstars, des mégastars. Mais le résultat n'est pas de plus loin que pour être non. Donc, bon problème. Et si bon problème, il faut au moins nous penser avec une solution. Donc, c'est ça lié.